Eh bien, salut à tous, chers amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de FIFA 21, avec la carrière RP, avec Doncaster Rovers, et on doit faire les barrages hein, pour monter en Première Ligue. Donc, on avait réussi les barrages pour monter de FL League One à EFL Championship. Est-ce qu'on va réussir pour monter en League One, enfin, en Première Ligue? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va essayer, hein, bien sûr, mais ça risque quand même d'être compliqué. Alors, juste avant, je voulais quand même montrer un petit peu les statistiques de tout le monde, avec notamment les buts, hein, pour vous montrer qui a mis le plus de buts. Hein, sans grande surprise, c'est Rabuel, avec 21 buts quand même, donc 21 buts en 50 matchs. C'est pas non plus super ouf, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, c'est déjà intéressant. On a 11 buts pour Follet, 10 buts pour Malinov, 7 pour Lokilo, 6 pour Lirola, 6 pour Marin, en 17 matchs seulement pour Marin. Donc intéressant. Au niveau de ceux qui ont fait le plus de passes décisives, et ben sans grande surprise, encore une fois, c'est Follet qui a fait le plus de passes décisives avec 19 passes décisives. Rabuel deuxième avec 15 passes D, et déjà après c'est beaucoup plus bas avec Lirola, 5 passes décisives, Lokilo, 5 passes décisives, et Ngamba qui a fait quand même 4 passes décisives en seulement 10 matchs, hein, donc il a quand même été intéressant. Sinon au niveau des level up, je vais regarder comme ça avec vous parce que je ne me souviens pas du tout. Alors on a Chevalier qui a pris 2 points, donc qui va devenir intéressant pour l'équipe. Sébastien Torico qui raccroche les crampons cette saison, donc de toute façon il va partir. On aura Toby D pour le remplacer. Ensuite, il y a Lewis O'Brien côté gauche en défenseur gauche, 72 de général, qui sera intéressant, je pense. On a Horton qui a pris 2 points. Elhaj Dabo qui a pris 4 points, donc il va être très intéressant aussi. Ensuite, on a Zek Medley qui a pris 5 points cette saison. Donc, pareil, très intéressant. Volodair qui a pris 3 points. Blit aussi. Reban, il a pris 5 points pour cette saison-là. Pareil pour Toby Alexander. Amos, il a pris 3 points. Jaskalainen a pris 6 points. Ensuite, on a Lira Kassani qui a pris 3 points. On a Madjer Gomez qui a pris 4 points. Kelang Nwats, 3 points. Malinov, 3 points. Nkobo, il a pris 4 points. Jérémy Léo Volant, 2 points. Razvan Marin, 2 points. Joris Ngamba, il n'a pris qu'un seul point. Mais bon, lui, je voulais le passer buteur. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup augmenté. Elise Witt a pris 2 points. Luc Follet, 7 points. Donc, pour l'instant, Luc Follet, très grosse progression de sa part. Lokilo a pris 5 points, Kouglin c'est le joueur que je viens juste de sortir, donc voilà, que j'ai eu lors de la dernière vidéo d'ailleurs. Ensuite on a Lirola qui a pris 1 point seulement, mais bon, je pense qu'il peut encore en prendre un ou deux supplémentaires. On a Sébastien Lane qui a pris 5 points, Aaron Connolly 1 point, Hugo Heynes a pris 5 points, je l'ai mis sur la liste des prêts. Matteo Rabuel, 8 points, donc très grosse progression de sa part. Et Matthew Stevens qui a pris 5 points, donc très grosse progression aussi de sa part. Franchement, on est plutôt bien. Là, on va faire la simulation interactive pour ça. On verra bien si, si on a besoin de rentrer sur le terrain ou pas. Mais bon, normalement, on n'est pas censé le faire, hein, n'est-ce pas? Mais... On le fera que si je vois qu'on a vraiment une grosse action qu'il faut pas louper, je le ferai. Mais sinon, s'ils sont en attaque et tout, ça je le ferai pas. Donc on verra bien si si on va déjà passer au moins le premier barrage. Parce que bon, si on passe pas le premier barrage, la vidéo elle risque d'être très courte si tu veux. Donc à un moment donné... Le ballon par-dessus. Faudra voir. Il perd le ballon. Nous, on est en noir. Ouais, le ballon on est en noir, hein. On n'est pas en rouge. Parce que
Si tu pensais si tu pensais qu'on était en rouge, eh ben non, faux, on est en noir. Donc c'est les noirs qui doivent gagner. L'équipe qui a attaqué, qui va devoir. Si bien sûr on veut que Doncaster Rovers parte en première ligue. C'est finalement un ballon perdu. On gardera un œil sur eux, hein, même si. Si jamais je pars dans un autre championnat ou quoi, on gardera quand même un œil sur eux, hein, vous inquiétez pas. Et ça, ce sera vrai pour tous les clubs que je ferai. Hein. Là-dessus, on sera d'accord. Bon. Alberta demain. En tous les cas, pour l'instant, ça se passe pas ouf, mais on se prend pas de but non plus. Là-dessus, ça c'est pas mal. Allez, après tout, pourquoi pas? Peut-être là. Est-ce quelqu'un pour l'aider? Ou pas? Apparemment, il l'a récupéré. Il l'avait récupéré. Dommage. Je pensais que ça allait dans les pieds de Follet, mais non. On cherche une solution. Non, ça va s'arrêter là. C'est un hors-jeu. Pour l'instant, on galère, hein. Ça galère. Qu'est-ce qu'il en fait? Bon, il peut centrer. Ça, c'est bien joué, ça. Pas bien joué, ça. Ah, ça joue physique, hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Ah non, le ballon est perdu. Allez, on va pouvoir partir en compte, là. Rodwell. Ah, il y aura 10 minutes, hein, de temps. J'ai fait n'importe quoi. À jouer. C'est bon. Mais je suis pas le seul à faire n'importe quoi. Hein. Mais bon, j'ai quand même fait n'importe quoi. Alors, la forme. On est tous à peu près bien. On a vu Paul Lirola qui va sortir, qui laissera sa place à l'Okilo. Follet certainement également sortira. On verra bien. Belle séquence de conservation. Ils attendent le ça bon peut se tenter. Pour mener effectivement, attaque. Ça peut se tenter. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur le but qui vient d'être marqué à l'instant. Dites-moi. Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Burnley. Ah, la frappe. Ça passe. Ça passe. Bien. 1-0 pour nous. Et on va mettre du coup l'Okilo, on va mettre Gomez à la place de Marin, et on va retourner en simulation. Oh le but! Oh l'ouverture du score! L'ouverture du score! Oh c'est génial! Cette équipe. Ouais mais attends, c'est pas fini hein. On peut encore en remettre un derrière. Allez ça peut... Ah oui, allez bim! J'ai même pas eu besoin de le faire. L'Okilo, il l'a fait tout seul. Ses premiers ballons, il marque. Bravo. L'Okilo l'a fait tout seul. Donc, il y a un moment donné, moi, s'il n'y a pas besoin d'aider, j'aide pas. Hein. Allez, on va être folle. Pas Follet, mais 8. Histoire que Follet reste en forme pour le match à suivre. Et ils obtiennent un coup franc. Coup franc de Samba. C'est le gardien qui fait le coup franc? Ouais, non, j'allais dire c'est Carvalho qui fait le coup franc. Non, bah on les laisse faire. Ils vont peut-être le mettre celui-là. Ouais, mais le gardien même pas. Qui se saisit bien de ce ballon. Même pas, notre gardien a très bien fait le job. Merci d'ailleurs hein, de m'avoir proposé Lucas place. Chevalier en gardien parce que par c'est, je trouve que c'est le exactement le gardien qu'il fallait en fait pour. C'est pour Doncaster Rovers. Bah ouais, le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté. Bon, en attendant, j'avais quand même pris Torrico qui a quand même bien fait son taf, hein, il faut l'admettre. Il faut admettre qu'il a bien fait le taf. Ils sont en train ils ont pris un but quand même. Enfin, on s'est pris un but. Un petit but d'avance donc. Le score est donc c'est pas encore fini. Hein. Bon, après, ça se joue en deux matchs. Donc, de toute façon, même si on avait. Gagner 2-0 à ce match-là. Voilà. Ah putain! Je me suis torché comme une merde. C'est d'ailleurs très drôle de dire ça, torché comme une merde.
Mais bon. On a perdu. Parce qu'en général, une merde, ça se torche. Bon, bref, je m'enfonce. Dernière chance pour égaliser. Ils n'ont plus. Dernière chance pour eux d'égaliser, mais bon. On fait tourner en attendant l'ouverture. On est bien regroupé défensivement quand même. Oh là là, ça joue très défensif de notre côté. Pas facile de juger, mais ça a dû se jouer à pas grand chose. Très défensif, hein, bien sûr. Mais on a des bonnes. Des bons atouts dans notre manche. Et allez, Malinov qui a mis le troisième but. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Ça fait 3-1 pour nous. Le match retour devrait bien se passer, je pense. Ah, il est vigilant, il protège bien. Mais encore, pour l'instant, c'est le premier, le premier barrage. Hein, comme j'ai dit, normalement, on fait deux matchs de barrage à chaque fois. Allez, la fin du match aller entre ces deux équipes. Ouais. Eh ben écoute, 3-1 pour nous, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien pour nous. Après, faut voir l'autre équipe. Parce que là, on va faire le match retour contre Nottingham Forest. Mais après, il va y avoir la deuxième équipe à affronter. Donc de toute façon, ça reviendra au même. Alors, hop. Alors, pour l'instant, ils ont l'air d'être en forme. Je vais regarder de plus près quand même. On sait jamais. Ils ont tous l'air en forme. On va mettre Torrico à la place de Chevalier. On va mettre Connolly à la place de Rabuel. Et j'ai envie de mettre Gomez à la place de Marin. Juste pour le départ. Et Marin, il prendra, il reprendra sa place après. Alors, donc on a Gomez et Marin. La rencontre tant attendue. Enfin, Gomez et Connolly sur le terrain. Il vient de donner le coup d'envoi, place au spectacle. On verra bien. Hein. Cette fois-ci, c'est nous qui sommes en rouge. Il avance encore. Il est quand même abusé, Affolé. Il continue d'avancer alors qu'il a plein de monde sur lui. Mais bon. Attention, il a du champ devant lui. Est-ce que on va encore le gagner? Est-ce que on va au moins ballon qui a été dévié, ce sera une touche. Ce qui serait bien, c'est au moins de faire match nul, quoi. Pour qu'on puisse continuer. Parfaite, un bon anticipation. Il donne son ballon. Attention, parce qu'ils sont très offensifs là, les gens. Bien joué ça. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Bien joué. C'est dommage que t'aies pas continué parce que clairement là, il y avait moyen de faire quelque chose. Alors là, je ne sais pas. Ouais, non, je laisse tomber. Ça sert même pas de continuer. Il l'avait repris. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Bon, ça c'est pas mal ça. Il est bien placé, peut centrer. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Ouais. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, heureusement que je l'ai fait en simulation interactive, hein, quelque part, parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait que de la merde. Hein. Ah, il gagne la possession. Ouais, c'est une touche. Il y a un gros duel là devant. Le long de la ligne de touche. Bon, en tout cas, j'espère que pour vous, les fêtes de fin d'année vont bien se passer. Hein. Allez, il peut faire un truc. Moi, comme je vous dis, là, je commence à en avoir à le bol en vrai. En vrai, je commence à en avoir à le bol parce que nous, c'est le carnage, hein, c'est le calvaire cette période de l'année. Au colis. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir. En tant que tireur de colis, c'est le calvaire, hein, je vous le dis. On se retrouve souvent avec du 2,5 à 3 fois plus de colis que d'habitude. Donc ouais, c'est compliqué. Hein. Allez, on reprend. Les joueurs qui sont de retour des vestiaires. On reprend ça avec tranquillement. Quel état d'esprit, on le saura très vite.
Alors là, normalement, si j'ai bien calculé, si j'ai bien calculé, hein, tenter de revenir dans ce match. Le ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire cette semaine, là, on va faire 3 épisodes. Normalement, ce sera la dernière fois, en tout cas de cette année-là, qu'il y aura 3 épisodes de FIFA dans la semaine. Parce que après, pour les 2 dernières semaines de décembre, il n'y aura que 2 épisodes, le lundi et le jeudi. Comme ça, déjà, il n'y aura pas de vidéo le vendredi, hein, ça me paraît logique. Et pour savoir, hein, pour que vous soyez au courant, la vidéo que j'ai prévue pour le jeudi, donc 24 décembre et 31 décembre, eh bien, elles sortiront donc normalement. Elles sortiront à 15h au lieu de 17h. Comme ça, vous aurez le temps de la regarder tranquillement. Ce sera une vidéo de 2h, 2h30 hein, maximum. Donc, vous aurez le temps de la regarder, vous en faites un. Bon, ça a l'air de galérer un petit peu de ce côté-là. Hein. On va faire de la gestion d'équipe déjà. Alors, Follet, on va mettre Abuel. Ensuite, Gomez, on va mettre Marin. Malinov, on va mettre Watts. Voilà. L'arbitre qui a sifflé. Ah, je l'avais pas vu voilà. En jeu. Trois changements d'un coup. Voir ça au ralenti. Qu'est-ce qu'il y a? Le ballon qui sort. Ça sera donc une en tout cas, on s'est pas pris de but. Hein. On s'est pas pris de but, mais on en a pas mis non plus là pour le coup. Le dernier quart d'heure de cette rencontre. Mais bon. Du moment qu'on. Les 30 derniers qu'on mètres. Gagne de base. Que le premier, on l'a gagné, donc là c'est bien. Ça hein. Circule très bien. Là c'est très bien hein, ce qu'on a fait. Hein. Alberta demain. Ouais, signalé hors jeu. Ah, ça doit se jouer à pas grand chose. Ouais, pas belle cette passe. Hein. Ouais, c'est ouais. Cadeau. Ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à un poil de couille. C'est raté. C'est dommage. Attention à ce ballon. Oh, 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 oh. Là, très haut. Oh, la bonne occasion. Ah putain, j'ai fait n'importe quoi. Il a démarré un petit peu vite. Et... Ah bah oui, c'est sûr que comme ça, je suis hors jeu, hein, bien sûr. Alors là... Et... Merci, FIFA. Merci de cette précision, le jeu. C'est magnifique. Magnifique, magnifique hors-jeu, effectivement. Une petite minute à jouer dans... Ah, je te jure. Ah, le jeu qui te fout des hors-jeu, mais à la pisse. Bref. Enfin souffler, qui se qualifie pour la finale. Ouais, ça... Eh bah voilà, on se qualifie pour la finale, c'est bien. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, c'est contre qui la finale, par contre? Parce que si c'est contre... poste d'entraîneur à Aston Villa. Alors, il me propose direct Aston Villa. Hein. Ah, c'est compliqué comme choix parce que je sais qu'il faisait partie de des choix dans les postes de recrutement là. Donc c'est compliqué comme choix. C'est soit je l'accepte direct et dans ce cas-là, ben voilà, on a notre nouveau club et quelque part ce serait encore plus logique. Techniquement, parce que c'est eux qui nous proposent direct de venir. Sinon, je continue sur mon idée de... sur mon idée de chercher dans le poste de sélectionneur directement et d'avoir plus de choix. Et de tenter quand même avec Doncaster Rovers de partir en première ligue. Ah, c'est compliqué, putain! Alors, dès du destin. Dès du destin. Je ne crois pas que je l'ai déjà fait, hein, sur le truc. Je ne sais plus. Je sais plus si je l'ai fait ou pas, mais pour ceux qui savent pas ce que c'est, de toute façon, c'est dans les... la description de vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai un dé à 6 faces, hein, en gros. Et en gros, si je fais le chiffre impair, c'est tel truc. Et si je fais le chiffre pair, c'est tel truc. Donc là, on va dire que le chiffre impair, ce sera... je prends le poste d'entraîneur à Aston Villa. Et dans ce cas-là,
Eh ben, bienvenue dans la nouvelle équipe. Et si c'est le chiffre pair, je reste avec Doncaster Rovers pour l'instant, et on verra après. Et j'ai fait... 2. Eh ben... Eh ben, merci de l'intérêt que vous me portez, hein. Mais je rejette. C'est con. Et juste après, tu sais, par contre, on a beaucoup de cyan, hein. On a beaucoup de cyan. C'est... Enfin, bref. Alors, finale barrage de promotion contre Burnley. Alors, tac. Alors, la finale, on va la jouer parce que... J'étais plutôt en bonne forme récemment, blablabla. De grands matchs nous attendent. Mon gars, merci bien. Quoique non, je vais pas le jouer, je vais le faire en simulation interactive comme j'avais fait. Par contre. Là, ça va vraiment être le dernier match de Toriko, donc autant le mettre. Et j'ai envie de mettre Reban au cas où. Au cas où, parce que il nous en faudra peut-être. Allez, on fait de la simulation interactive. Et du coup, comme j'ai dit, on va voir si on gagne déjà la finale. Si on la gagne, il y aura le dé du destin. Allez, pour voir si je fais une troisième saison avec Doncaster Rovers. Et si on la gagne pas, de toute façon, on partira du club. Alors, on est en combien? On est en rouge, hein, nous? Non, on n'est pas en rouge, on est en noir. Ok. Bon, salut, c'est Germain Toussaint. Bon, je profite de ma pause donate là pour te dire que si t'aimes la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne. Voilà, abonne-toi mon poulain. Et puis, si t'aimes vraiment la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Voilà. Allez, bonne vidéo mon petit pote. Merci Germain Toussaint, mais la prochaine fois, évite d'intervenir en plein milieu d'un match, s'il te plaît. Parce que là, sinon ça risque d'être compliqué. Bon, Burnley, c'est pas non plus une équipe mauvaise, hein, ça c'est sûr. Magnifiquement le ballon, hein. Très belle séance de conservation. Allez. Marin. Ah putain, j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Watson. Hein. Oh putain. Centre peut-être, allez. Et évidemment. Oh, alors par contre... Par contre, je sais pas pourquoi, hein, j'ai eu blinde de difficultés à changer de joueur. Hein. À mon avis, le jeu, il a pas envie que Doncaster Rovers soit en première ligue. Non, y a faute là, c'est évident. Mais bon, là, je me souviens aussi que la dernière fois, on avait galéré à faire ça. Bon, je me suis pris un carton jaune, c'est quoi ce délire? Je me souviens qu'on avait galéré là-dessus sur la finale la dernière fois et au final on l'avait gagné. Hein. Carton jaune. Ouais, là il a grillé tous ses jokers. Taylor. De toute manière. Ouais, bien dégagé hein, ce ballon qui était dangereux. Jimmy Rion. Le ballon okay, récupéré ça, c'est bien, sur ça. Cette intervention. Et Jimmy bon, Rion. Au niveau ouais, passe, c'est pas ouf. Hein. Oh, la parade exceptionnelle. Oh, quel arrêt. Ah, c'est magnifique, et d'ailleurs, raté. C'est compliqué, le félicite. Alors, on va venir sur le terrain, là, parce que... Rodwell. Ça, c'était le truc à pas louper. Oh, c'est pas fini, attention. Et le gardien enfin, qui s'est jeté plaît, sur quoi. Ce ballon, magnifique. Il met trois plombes. Il met trois plombes, le joueur, à faire sa frappe. La tête. Bon, on va le continuer. Qui sort en touche. Ouais, alors par contre, leur stade, je l'aime pas du tout. Hein. Je l'aime pas du tout avec le... Avec l'ombre juste au milieu là, qui fait que bah, quand t'es quand t'es habillé en noir, bah forcément on ne voit plus. Allez, le ballon en retrait. Allez, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Allez, le ballon qui est dégagé. Bon, ça va aller, oui. Ce sera un nouveau corner.
Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Allez. Ah non, c'est mal exploité. Ah non, super bien exploité. La voie est libre. Super bien exploité, j'ai dit. Ah ouais, la bonne passe. Ouais, c'était super bien exploité jusqu'à ce que je fasse de la merde. Excellente anticipation. Et voilà, déjà putain. 45 minutes de jouer dans ce... Ah, je suis dégoûté. Il a un sifflé, le jeu reprend à l'instant. On va voir si les deux équipes ont là-dessus, je suis dégoûté. Leurs efforts à la mi-temps. Ouais, ça compte. On va être low kilo. Oui, devant le but, sans se précipiter. Ouais, impeccable. Ce tacle, le ballon qui file en touche. Parce que low kilo, on le connaît. On sait qu'il nous fait des bons trucs. Et il gagne quelques mètres. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Soit. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Oh, l'arbitre qui laisse jouer. Sans déconner, quoi. L'arbitre, enfin bon. Sur l'aile. Sans déconner. Bon. Un marin, il va falloir le changer également. On va mettre Gomez. Et puis on va aller en simulation interactive. À la défense, finalement. Putain, eux, leurs joueurs, ils sont tous crevés. Le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Goodmanson. Peut-être la passe lobée. Tu remarqueras que le seul but que je me suis pris, c'est quand quand je suis rentré en jeu. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Attention, attends, bouge pas. Oh, il a fait le plus dur peut-être. But de Lokilo. Allez, ça c'est fait ça. Je ne sais pas qui on va mettre. Est-ce qu'on remplacerait pas Alexander parce qu'il me semble crevé par Rasmus Reban. C'est un très très gros risque que je prends, mais je le prends. Cet instant de la finale. Et voilà donc à égalité un but partout. Je prends le risque. On sait jamais. Sur un malentendu, il peut nous faire du lourd. Le ballon qui est sorti, en remise en jeu à suivre. D'accord. Ah, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Il se trouve bien vraiment sur cette action. Un long ballon loin devant. Dommage. C'est vraiment dommage. Hein. Il y a des trucs, ça mériterait mieux. Hein. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère le dernier quart d'heure du temps réglementaire. On s'approche du but. Il reste 15 minutes. Je vais attendre que leur action se finisse et puis je rentre sur le terrain. La faille. Ouais, c'est bien joué défensivement. Oh, bien vu. Ils sont beaucoup trop offensifs. Ouais, ça presse haut. Attention à ce ballon. Ouais, ce serait une touche après ce tac impeccable. Oh là là, là 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 là. Il peut centrer là. Cette tête qui n'a pas assez battu. Ah, elle n'est pas passée loin. On est pas passé loin de se prendre un 2-1. Plus que quelques minutes à jouer, tout reste possible. Allez Gomez. Oh, personne pour l'arrêter. Tout reste possible. Tout reste possible. Oh, oh non Gomez, non. Exceptionnel. Exceptionnel arrêt. Ah, c'est pas facile ce qu'il vient de réussir. Ah, on a bien donné ce ballon, mais le danger. Fais chier. Allez. Les supporters qui donnent de la voix. Raté. Évidemment. Ils poussent leur équipe. C'est le meilleur moyen de prouver aux joueurs qu'ils ont confiance en eux, qu'ils sont derrière eux. Oh putain. Ce bordel. Oh ce putain. Non. Putain. Je l'avais vu dedans bordel. Ah je l'avais vu dedans. Ah je suis dégoûté. Oui, je suis dégoûté. Cette frustration et continuer d'encourager ses joueurs, voilà ce qu'il ah, faut faire. Ah putain de merde. Ça va encore se terminer au... Ça va encore se terminer au tir au but, je le sens. Il me sonne. Oh non.
attention à cette occasion. Oh non, 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 non. Ah, c'est compris. Bien joué, Reybad. À la fin du temps réglementaire, ce sera donc une prolongation. Prolongation pour l'instant. Encore une fois, jusqu'au bout de la pression, hein, bien sûr. Qui est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on change Malinov parce qu'il s'est pris un jaune quand même, hein? Ou sinon, on change Follet et on met Colloli à la place. Je pense que c'est une bonne idée. Ça me paraît être une bonne idée en passant en 4-4-2. Hop, on va faire ça. Buteur. Et à tes droits, on va dire. Voilà. Ouais, par contre, j'ai eu complètement zappé. On va le faire en faux numéro 9, lui. Pour Connolly. C'est ça. Alors, mix attaque. Faux numéro 9. Histoire qu'ils reviennent un petit peu chercher les ballons. Alors dans la prolongation, c'est que c'est aussi dans la tête hein, que ça se joue. Allez. Ça se joue aussi un peu dans les jambes, Hervé. Hein. Jusqu'au bout de la pression. C'est la tête qui fait avancer le bonhomme. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Oh putain. Ballon rendu à l'adversaire. Dommage. Il y a des choses qui devraient passer normalement, mais qui ne passent pas. Johnson. Ballon okay. Perdu d'un côté, récupéré ça de l'autre. Passe. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Allez, O'Brien, t'es en bout de course, je le sais. Il s'infiltre, attention. Bim! La contre-attaque parfaitement menée. Le 2-1. Bien joué, O'Brien. Bon. Retour en simulation. On verra bien si. Si ça reste comme ça. Ou si on s'en prend un. Là, on va dire que je touche plus à la manette. Parce que là, j'ai quand même bien aidé l'équipe. Hein, je pense. On n'était pas censé faire autant de temps de jeu. Hein. Donc, on verra bien. Chercher une ouverture, bien sûr. Oui, fin de la première période de la prolongation à l'instant. Allez, début de la seconde prolongation, 15 minutes maximum. Deuxième mi-temps, on verra bien si on est toujours dans le club. Ah, il se trouve les yeux fermés. Ah, si Doncaster Rovers part en... Oh là là, l'occasion. Elle est au fond. Oh putain, Rabuel. Rabuel qui a mis un troisième but. Eh ben, je crois que Doncaster Rovers va partir la bonne en première ligue, les gars. Hein. Je pense que on est bien là. Aussi précis dans là, Doncaster Rovers, c'est bon, ils sont en première ligue, je pense. Allez, dans la surface, y a du monde. Ouais, c'est bon, hein, c'est bon. Mauvaise relance. Tu pourras essayer, mais ça ne servira à rien. Regarde là. Tous leurs joueurs, ils sont crevés. Hein. Regarde-moi, la fatigue a été quand même beaucoup mieux gérée. Hein. Eh ben voilà, Doncaster Rovers. Doncaster Rovers qui part en première ligue. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est incroyable. Hein. Clairement, c'est incroyable. Quand tu sais que au tout départ, dans la première saison, je suis arrivé dans un club qui avait même pas de réserve. Putain. Y a pas à dire, on a fait fort. On a fait clairement fort. T'as exercé une bonne influence en fait, Gomez. Merci beaucoup. C'est grâce à toi qu'on a marqué et qu'on a gagné en fait. Donc merci à toi. Vraiment merci. Bon. Maintenant que ça c'est fait. Écoute. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir regarder
Ouais, normalement, il n'y a plus de match après. Donc, première chose, on va lancer le dé du destin. Je l'avais dit. On va faire un dé du destin, encore une fois. Pour savoir si on reste avec Doncaster Rovers pour une troisième saison et cette fois-ci en première ligue. Ou si on change de club. Donc... je ne sais pas. Est-ce que je fais le numéro pair pour Doncaster Rovers ou impair? Parce que la dernière fois, c'est le numéro pair qui est sorti. Donc, je vais parier sur le impair. Si c'est un numéro impair qui sort, je reste avec Doncaster Rovers pour la troisième saison. Si c'est un numéro pair, je change de club. Ah, c'est un numéro pair, fait chier. Et c'est encore le 2, hein. C'est encore le 2, putain. Ah là 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 là. Bon, eh ben, je devrais changer de club. Je devrais changer de club. Mais avant, je souhaite quand même faire mon boulot proprement. Et ne pas partir sans rien laisser à l'équipe. Donc, accueil transfert. On va commencer par ça, hein. Mohamed Amour, t'es un amour. T'es un amour, mon gars. Donc, on va t'approcher. Ah non, mais là, Doncaster Rovers, t'inquiète pas, je vais les mettre bien, là. Là, je vais les mettre bien. Hop, rotation. Durée de contrat, ça me va. Pas de clause de libération. 2400 de salaire, ça me va. Ah non, mais là, t'inquiète, je vais vraiment les mettre bien. Là, il n'y a pas de souci. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive, là. Ensuite, il y avait qui que j'avais dit? Un buteur. Ouais, un buteur, ça pourrait être sympa. Au cas où ça partirait de mon côté. On a Kylian Tutu qui pourrait devenir intéressant, mais... Je voudrais Rasmus Kujovic. Voilà. Rotation. Alors. On va le faire venir pour 4 ans. Pas de clause de libération. Et pour le salaire, ça me va. Voilà. Ah là, on fait plaisir à l'équipe, là. Là, t'inquiète pas, je fais plaisir. Là, ça fait zizir, comme on dit dans le métier. Ça fait zizir, ça fait zizir. Hop. Comme ça. Donc, Horton, il va dégager. On aura Kujovic à la place. Ici. En Kouglin, on verra bien ce qu'on en fera. Je suis sûr que tu peux en faire quelque chose. Mais de toute façon... Merde. De toute façon... Connolly, il va partir. Ou alors, peut-être Lokilo le mettre en buteur. Lokilo buteur, ça pourrait le faire, tu crois? On va regarder. Alors, juste, pour info. Alors, Amour. Pour l'instant, c'est juste marqué au club. Voilà. Mais, bon, lui c'est pareil, hein, mais à mon avis, ces deux-là, ils vont augmenter vite fait. Hein. Mais voilà, hein, pour info, on a quand même de bons espoirs au club. Hein. Voilà, enfin, ils ont, parce que il faut se mettre dans l'optique que maintenant, c'est plus mon club. C'est plus mon club, malheureusement. Mais bon, voilà, hein, c'est ça arrive. Alors, plan de développement, est-ce que tu peux être buteur, mon petit Lokilo? Si je te fais changer de poste. Alors déjà, milieu gauche, ça te dérange pas. Ailier droit, ça te dérange pas. Buteur, ça te dérange un peu quand même. Hein. 199 semaines, c'est... Ça va pas le faire. Ça va clairement pas le faire. Bon, et ben tant pis. Bon, et ben... On cherchera un nouveau club. Hein, dans le parcours des emplois. On va repartir chez Aston Villa.
Eh, vous m'avez demandé, mais finalement, je veux bien être parmi vous. Et c'est là ils vont faire, bah non, t'as refusé, donc tu dégages. Alors, ils nous proposent Atalanta, Lazio, enfin, ils nous proposent de l'Italie, hein, là, pour le coup. Ils nous proposent que de l'Italie. Donc, on verra bien. On verra bien. Je vais sauvegarder la carrière. Et puis, on verra bien dans le prochain épisode. Sur ce, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et on se retrouvera pour le prochain épisode avec la saison 3 directement. Et on verra quel club on a, tout simplement. Allez, sur ce, des bisous et à la prochaine.